Bonsoir à tous les socios, ou rebonsoir pour ceux qui nous avaient suivis en avant-match de Ligue des Champions. Vous avez promis une finale extraordinaire, on a eu une finale intense, peut-être pas la plus belle des finales en termes de jeu, mais une finale qui nous pose matière à décrypter, en tout cas dans le Club des 5, on le fera avec le plus grand sérieux du monde. On vous attend très nombreux, les socios, pour vous, pour nous donner votre avis sur cette finale de Ligue des Champions qui sacre Liverpool 2-0 contre Tottenham. Liverpool remporte cette finale de Ligue des Champions. Pour en parler, autour de moi, quasiment le même plateau qu'en avant-match, avec toujours Walid. Bonsoir. Salut Walid, bonsoir à tous. Tu vas toujours aussi bien? Oui, toujours aussi bien. On a vu une finale assez moyenne, mais bon, ça récompense Liverpool, et puis on va en parler. On a, voilà, quand même vu du football, début, donc voilà. Pas satisfait à 100%. Mais il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a toujours des choses à dire. Le pas sur le jeu, je passais le bonjour en avant-émission à Babacar Sall, que je savais pas loin de la fanzone. On a une pensée pour lui. Il a réussi à pénétrer le stade du Wanda Metropolitano, pardon. Pour combien, on sait pas. Pour combien, on sait pas. On sait pas, on nous a parlé de 5 chiffres, nous. Mais en tout cas, il est rentré. Certains disent même qu'il a donné un membre de son corps. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir rentrer dans le stade. Ça, on n'est pas au courant, mais en tout cas, on l'espère pas. On espère qu'il est resté dans la légalité, notre ami Babacar. On n'en doute pas, lui qui doit fêter avec joie cette victoire de Liverpool, son club de cœur. Elton également qui est là, qui était là tout à l'heure et qui est toujours présent. Elton, plutôt calme en ce début d'émission. Ça va. Ça va bien? Ah, ça va, ouais, la finale, c'était pas la finale attendue en termes de jeu, mais félicitations à Liverpool et félicitations aussi à Tottenham qui termine quand même vice-champion d'Europe. Félicitations également à Tottenham, tu fais bien de le rappeler Elton. Tottenham qui n'a pas démérité ce soir. Je parlais en avant-match d'un troisième larron qui s'est invité sur le plateau du Club des 5. C'est Najim Medini. Salut Najim. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Très content de faire cette émission avec toi. C'est la première fois que je te vois en 2019. Ouais, deuxième ou troisième fois. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, mais on s'est déjà vu en 2019, je pense. Dans d'autres circonstances. Voilà. Moi aussi ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission. Ça fait une semaine et demie. J'aime bien le style vestimentaire parce que là, on a l'impression que tu vas chercher un prêt à la banque. Tu vas vraiment voir ton conseiller. Pour être complètement honnête avec les socios, à la base, j'avais mis que la chemise. Ouais, et j'ai demandé à Walid, est-ce que je mets la veste? Il m'a dit oui, pour ensuite, en fait casser du sucre sur mon dos. C'est lui qui t'a conseillé les lunettes? Non, mais pour être transparent, tu m'as dit je mets la veste, mais j'avais pas vu la veste. Donc je t'ai dit oui, mets la veste, je pensais qu'elle était en... Il était pas trop tard pour... Mais très beau, j'aime bien, très beau. Bon, après, en tout cas, le prêt étudiant, je te le donne. J'ai entièrement confiance sur ta réussite, te le donne. Je le rembourserai. Il est taquin, le prêt étudiant qui servira peut-être à rembourser la place de Babacar Sall pour créer de la connectique. Exactement. En début d'émission. Donc on donne, tu vois, c'est... C'est beau, on est en... On va chercher, on distribue. On essaye de distribuer le jeu peut-être un peu plus que ce qu'on a vu ce soir. En tout cas, on a vu une finale, on l'a dit, intense, qui a démarré sur les chapeaux de roue avec un déroulé qui n'a pas laissé énormément de chance à Tottenham. Je vous propose, les socios, de découvrir peut-être le sommaire, mais juste avant ça, juste un petit rappel, voilà, vous rappelez de liker, de vous abonner à la page YouTube du Club des 5. Des fois, j'ai tendance à l'oublier parce que je fais tellement partie des meubles de la famille que, on est de plus en plus nombreux à rejoindre le projet. Pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous, activez la cloche, elle vous permet de savoir à quelle heure nous prenons les émissions. C'est important de savoir à quelle heure le Club des 5 commence pour ne pas rater les blagues d'avant-match de Walid Acherchour et de Najim Medini. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez. Place désormais au sommaire de la soirée, avec évidemment un débrief à chaud de cette rencontre entre les Spurs et les Reds, d'une finale ennuyeuse. On essaiera de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans l'allumage, ce qui l'a manqué à cette finale pour endiabler au Club des 5. Vous comprendrez les tenants et les aboutissants de cette finale en termes de jeu. Puis, dans un second temps, nous aborderons le sacre de Liverpool qui vient les placer à une place toute particulière du football européen. On essaiera de comprendre ce que va engendrer ce titre pour la suite du projet des Reds de Liverpool. Un titre que les Reds ont tant espéré ces dernières saisons et qui est bel et bien acquis ce soir. On terminera l'émission en ayant un mot, évidemment plus qu'un mot, une analyse sur la prestation de Tottenham. Qu'est-ce qui a manqué aux hommes de Mauricio Pochettino? Était-il capable de faire plus
ce soir, vous comprendrez tout ce qui s'est passé sur cette finale à Madrid, dans le Club des 5. On est ensemble pendant plus d'une heure, les socios. Place au premier débat de la soirée, mais avant ça, juste la question du soir qu'on aimerait vous proposer, les socios. Tottenham était-il capable de faire mieux? C'était mes propos sur le dernier débat de la soirée. C'est la question qui va alimenter crescendo cette émission, puisqu'évidemment, quand on parlera de Liverpool, on aura aussi en perspective l'adversaire du soir. Est-ce que vous pensez que Tottenham pouvait faire mieux, ou est-ce qu'au contraire, c'était pour vous le plafond de verre? Messieurs, je parlais d'une finale qui avait commencé sur les chapeaux de roue pour Liverpool, avec très vite une consigne qui a mal tourné, la consigne de Moussa Sissoko qui demandait aux défenseurs de se replacer. Ça fait main, ça fait but derrière de Mo Salah. Je vous laisse me décrire la suite du match, mais déjà, à la 20e seconde, on a eu le premier et l'un des seuls rebondissements de la rencontre. Oui, c'est ça. On pensait vraiment qu'après ce penalty et cette main de Sissoko, que ça allait vraiment lancer le match avec un scénario un peu à la Tottenham, enfin à la City Tottenham, avec un début de match assez dantesque. On ne l'a pas eu. On a eu une physionomie qui a complètement changé. Après, on l'explique souvent. C'est très très dur quand tu prends quand t'as préparé depuis 3 semaines une finale de Ligue des Champions, en essayant de mettre en place une tactique et un plan de jeu précis, d'être complètement, que ce soit Tottenham et même Liverpool, chamboulé par ce fait de jeu, parce que ça reste un fait de jeu, et je pense pas que Pochettino ni Klopp imaginaient un début de match pareil, surtout dans un match avec autant d'enjeux. Derrière, on a vu une équipe de Liverpool qui a un peu trembloté, qui a reculé, qui a laissé l'initiative du ballon à Tottenham. Alors je sais pas s'ils l'ont laissé délibérément ou si Tottenham l'a récupéré. Je pense qu'il y a un peu des deux. On a eu des situations, mais énormément de déchets techniques de part et d'autre. On a eu un Liverpool qui, à la récupération du ballon, essayait de très très vite sauter les lignes en essayant d'aller chercher Mané, en essayant d'aller chercher Salah derrière le dos des défenseurs de Tottenham. Ça a fonctionné sur 2-3 situations, mais c'était beaucoup trop stéréotypé. Et de l'autre côté, on a eu Tottenham qui a eu des situations, mais souvent le mauvais choix de la part d'Ali, Eriksen qui tardait trop, Son qui faisait le mauvais contrôle, Kane qu'on a trouvé quand même très très transparent et qu'on a eu du mal à trouver côté Tottenham entre les lignes. La même chose pour Liverpool qui, on parlera de Firmino tout à l'heure, qui est sorti à l'heure de jeu pour Origi, mais qui n'a pas été dans son match, hein. Les deux qui revenaient, les deux numéro 9 qui devaient être les facteurs X pour moi, n'ont pas été au niveau. Et puis voilà, globalement, on a vu des initiatives mais pas franche quoi, des deux côtés. Tottenham a eu sa chance à un moment donné pour revenir dans le match, mais c'était quand même assez brouillon. Liverpool, je pense, n'a pas voulu une fin de match enlevée comme l'Ajax a pu le faire, notamment, ou City aussi. Ils ont essayé de gérer, maîtriser au milieu de terrain, même si tout n'a pas été parfait. Klopp, notamment avec ses changements, que ça soit Milner ou pour Wijnaldum ou Origi, a été dans ce sens-là aussi pour essayer de préserver et de maîtriser la partie au moins. Et t'as ce deuxième but d'Origi qui clôt l'affaire juste après un temps fort de Tottenham avec cette grosse occasion de Lucas, notamment Edson. Donc voilà, une finale au rabais, une finale qui nous a pas enthousiasmé, mais Liverpool devait gagner cette finale. Klopp était favori, ils ont rempli le contrat et aujourd'hui ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont rempli le contrat. On parlait beaucoup avant l'émission de la manière d'aborder cette finale. On avait une statistique qui évoquait notamment les débuts de match de Liverpool. C'est vrai que au-delà de cette erreur de Moussa Sissoko, vous nous direz si vous avez trouvé le pénalty sévère, puisque certains socios le trouvent assez sévère. Au-delà de ça, Sadio Mané bien lancé dans le dos de la défense, ça a été un peu un classique en première mi-temps avec le danger de Mané. On l'avait un peu discuté en avant-match. C'est vrai que Liverpool a très bien démarré la rencontre. Au-delà du penalty, il y a la manière de le provoquer qui était intéressante. Oui, il le provoque, mais moi c'est surtout l'inattention de Trippier. Je veux dire, par là, on est sur une finale de Ligue des Champions. On sait qu'il y a des plans tactiques qui doivent être respectés à la lettre. Et moi, on peut pas me faire comprendre qu'au bout de 10 secondes, Trippier il lâche Mané. Pour moi, c'est inadmissible. Et je pèse mes mots sur une finale de Ligue des Champions, que dès la 10e seconde, tu te fais prendre dans ton dos. Parce que ça conditionne toute la finale à partir du moment où Liverpool met ce premier but. Et donc Tottenham est dans une logique de se découvrir et de courir derrière un score. On sait qu'on est sur une finale, donc c'est très compliqué. Il y a une dimension aléatoire qui est nettement plus avancée. On sait que Tottenham était l'outsider. Tu peux pas faire ça pour moi. Surtout qu'en plus, c'était la principale consigne, je pense, de Trippier. On sait très bien que, voilà, il était face à Mané dans son opposition et que
le plus gros danger, c'était qu'il parte dans son dos. Donc forcément, après, voilà, début de rencontre, je pense que, et c'est un mot qui reviendra souvent dans notre analyse, mais c'est la gestion des émotions. On a eu vraiment la sensation que ce soit du côté de Tottenham ou du côté de Liverpool, que par moment, certains joueurs n'ont pas su forcément réussir à être au niveau par rapport à l'événement, quoi. Et ça a peut-être été le cas dès les premières secondes. On parle d'habitude d'une gestion, effectivement, Najim, des émotions. De l'an dernier, Liverpool n'a pas su le faire, clairement, contre le Real Madrid. Cette année, est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop dans la retenue, justement? On les attendait avec de l'expérience par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier, mais est-ce qu'on aurait dû les attendre un peu plus libérés? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu auto-flagellés sur ce match? Moi, je l'ai vu des deux côtés aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que individuellement et même collectivement, je n'ai pas vu la meilleure version de Liverpool, je n'ai pas vu la meilleure version de Tottenham, alors que c'est la fin du bal. Ce soir, c'était le dernier match. Le feu d'artifice. Voilà, ça devait être le feu d'artifice, et ça a été un pétard mouillé des deux côtés. Maintenant, je l'expliquais notamment hier soir et pendant l'avant-match qu'on faisait avec Footballog sur Twitter. Liverpool était mieux préparé dans cet aspect psychologique. Ou comme pour Arsenal et Chelsea, je l'ai répété, j'ai vraiment le sentiment que même s'il y en a qui sont passés à côté de l'événement, il y a 2-3 tauliers, notamment Fabinho au milieu de terrain, la défense centrale, Alisson. Le fait de marquer tôt, par exemple, oui. Walid n'a pas aussi conditionné cette gestion du match. Bien entendu, mais on a vu aussi qu'il y a beaucoup d'équipes cette année qui ont ouvert le score et qui se sont fait remonter. Ouais, Sur des matchs aller-retour. Oui, on est sur une finale. Oui, mais par exemple, dans un match, l'Ajax s'est fait remonter. Ouais, voilà. Alors qu'ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Ouais, ça reste encore autre chose. Dans l'optique d'un résultat à l'aller qui. Ok, peut-être que ce n'est pas la même chose, vous avez sûrement raison. Mais je pense que. On a souvent ce que c'est pas donné. Je parle bien évidemment des coupes à élimination directe ou des championnats. Je pense à la Coupe du Monde, à pas mal de compétitions qui ne se jouent pas forcément en aller-retour. C'est vrai que marquer un but très tôt. Ça met dans une espèce d'euphorie, mais on a aussi des contre-exemples dans l'histoire de la Ligue des Champions. Liverpool est coutumier du fait, notamment en 2005, où marquer le premier but en finale de Ligue des Champions ne te garantit pas de la gagner. Donc sur ce côté-là aussi, il faut des joueurs qui décident soit d'aller plus loin, soit de garder le résultat, et qui a une certaine sérénité. Et je pense qu'il y a certains tauliers, il y a eu plus de sérénité et plus de tauliers côté Liverpool, même si encore une fois mon analyse c'est du nivellement vers le bas, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de l'événement ce soir. Mais je le répète, Fabinho a été très très bon, Anderson, même si avec ballon il a eu beaucoup de déchets, il y a 2-3 ballons qu'il a ratissé très très important. Les latéraux ont été très bons côté Liverpool, et la défense centrale plus Alisson. Donc je pense que sur ce côté psychologique par rapport à d'autres à Tottenham, Liverpool a mieux géré a posteriori, on peut dire aussi que la coupure de 3 semaines a fait beaucoup de mal aux deux équipes, à savoir qu'ils étaient plus sur la dynamique de la première ligue. On l'avait entrevu en milieu de semaine lors de la finale d'Europa League. Oui, c'est ça, et exactement. Et donc on peut penser que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, à savoir que on a beau dire c'est un match de foot, il faut arriver avec une sensibilité tactique, on est bien préparé tactiquement, mais Pochettino le dit dans la presse espagnole, il fallait gérer les émotions. Force est de constater qu'au sortir de 3 semaines, il y a les joueurs de Tottenham, ils sont complètement passés à côté, sûrement parce qu'ils ont fait le match bien avant. Mais moi, la question que je me pose, et je compte sur les socios et sur vous pour essayer de m'aiguiller là-dessus, parce que moi, je n'ai pas la réponse, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu deux équipes aussi inhibé, et c'est-à-dire que j'ai pas vu 10 passes ce soir. J'avais parlé du. Non, mais j'ai pas vu. La finale Dortmund-Bayern, à un moment qui était. Moi, je l'avais trouvé nettement au-dessus. Oui, elle était au-dessus, mais je veux dire, en termes de. Là, l'enjeu avait vraiment crispé les deux équipes. Peut-être l'Atlético Madrid-Real Madrid, le 1 partout avec la séance de tir au but, et encore. C'est vrai qu'au-delà de ça, sur les temps forts, c'était des temps forts beaucoup plus tranchants que ce soir qui était vraiment. Mais ce soir, j'ai pas vu 6 passes d'affilée, côté Tottenham et côté Liverpool. C'est surpris à la rédaction. À hurler devant des demi-axes. Il n'y a même pas eu de très grosses occasions où on s'est dit « Oh, il va y avoir but ». Alors oui, il y a eu l'action de Lucas, la frappe de Milner qui passe pas loin, mais c'est pas vraiment des face-à-face. Demain, ou des très, très grosses occasions. Tu vas avoir des tirs contrés. Ça va pas durer longtemps où on n'aura pas beaucoup t'auras de... 3 minutes à tout casser. Pas beaucoup de plans serrés sur les deux gardiens de but dans les highlights. Messieurs, il y a deux hommes dont on a parlé, les deux avant-centres de chaque équipe. On va parler d'abord de celui de Liverpool, Firmino, qui sort... en cours de match, qui sort assez tôt finalement, autour de la 60e, il me semble, Walid, 57e, plus précisément. Et Firmino, il faisait partie des facteurs X
dont on parlait en avant-match, il revient de blessure, il alimente énormément les ailiers, c'est un peu le rouage essentiel de ce jeu de Liverpool. Il a raté son match. Et il a raté complètement son match. Comment on peut expliquer? Alors on peut en déduire que le 17 ballons touchés, voilà, Bilal. 17 ballons touchés, c'est très peu. Pour un numéro 9 comme Firmino qui lui est limite numéro après, 10. Après on comprend que le jeu de Liverpool eut été oui, assez mais tu veux que je te dise, je pense que comment on l'explique. Non mais ça fait partie de la réflexion à un moment donné des centraux, parce que Firmino, les 15 premières minutes, à chaque fois qu'il touche le ballon, il est hors tempo, il a un déchet technique inhabituel, alors que lui, c'est lui le lien entre les trois, c'est lui le lien entre le milieu de terrain d'habitude, et à un moment donné, ils ont usé de long ballon pour ça, parce que d'habitude, on essaye de trouver Firmino dans les pieds, là, il y a eu beaucoup de long ballon pour Salah et pour Mané, et je pense que ça a joué là-dessus, parce que moi, je le disais avant le début de match, je pensais que ça allait être le facteur X, parce que quoi, ça fait 3 semaines qu'il est... Enfin, il y a eu 3 semaines de coupure, je pensais vraiment qu'il allait revenir. Sincèrement, si on m'avait dit entre Kane et Firmino, celui qui allait être le plus apte physiquement, moi j'aurais penché plutôt pour Firmino plutôt que Kane, parce que Firmino a quand même joué sur la deuxième partie de saison, alors que Kane beaucoup moins. Et ce soir, il est passé mais complètement à côté. Moi, la première mi-temps... Comment on l'explique Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est un problème physique. Quand je dis physique, c'est ça, parce qu'on parlait de problèmes musculaires plutôt que ça. Là, c'était une commotion cérébrale. C'est pas du tout la même chose. Mais là où je dois louer la micro-tactique et la lecture, d'avoir compris pendant le match qu'il fallait exactement. C'est-à-dire Klopp, il aurait pu faire à la mi-temps, mais il lui a redonné 15 minutes. Et à la 57e, c'est merci Firmino. On a essayé, mais là c'est plus possible. Et je vais faire entrer Origi, qui est lui mon homme en forme du moment. Moi, j'ai eu la sensation qu'il a fait un peu les choses à moitié, notamment sans ballon. Qu'il fallait presser. Je l'ai vu faire, en fait, je le voyais faire la trajectoire, c'est-à-dire faire le déplacement, aller vers le porteur de ballon adverse, mais par contre, il n'allait pas au contact. Ça laisse supposer l'hypothèse d'un problème physique, c'est ce qu'on disait dans la preview, à savoir qu'il y a eu beaucoup d'intox autour du cas Firmino, autour du cas de Kane, dont on va évoquer la performance, à savoir que les joueurs n'étaient pas prêts. Et donc, à partir du moment où ils étaient à contre-temps, ça se voyait dans le contre-pressing de Liverpool. Et Liverpool, sûrement qu'ils ont opté pour ces longs ballons, parce qu'ils voyaient bien que Firmino ne pouvait pas être le phare de cette équipe. Après, je ne sais pas si c'était voulu par Liverpool, mais c'est vrai que, comme l'a dit Walid, ils ne faisaient pas forcément partie des schémas de passe. Lorsqu'ils ont marqué le premier but, il y avait deux schémas de passe. Soit Liverpool essayait d'allonger pour essayer de trouver la profondeur dans le dos de la défense adverse, soit pour Mané, soit pour Salah. Et lorsque Liverpool arrivait un petit peu à s'installer dans le camp adverse, ça ne durait jamais très longtemps, c'était surtout des frappes lointaines. On se souvient notamment de la tentative d'Alexander-Arnold en première mi-temps. Il y a eu aussi une tentative de Robertson. Salah aussi fait une frappe qui est contrée, mais à chaque fois, voilà, c'était pas Firmino, parce que malheureusement, on le trouvait ni dans la surface, ni forcément au contact du milieu de terrain. Donc, c'était un maillon manquant. Moi, Bilal, les deux qui sont passés complètement à côté pour moi, à côté Liverpool, c'est Firmino et Wijnaldum. Où il y a d'autres joueurs qui sont passés à côté techniquement, où il y a eu beaucoup de déchets, Salah notamment, Mané aussi, même s'il a fait 2-3 belles incursions, et si Liverpool gagne la Ligue des Champions, il en est aussi le grand artisan, parce qu'il a percuté, il a fait des bonnes choses, mais Wijnaldum et Firmino, on ne les a pas vus. Ils sont passés complètement à côté de l'événement. C'est étonnant, sachant que Wijnaldum avait du crédit après sa demi-finale. Et je pense que collectivement, quand on dit qu'on n'a pas vu un grand Liverpool, ils font partie des explications. Parce que pour moi, Wijnaldum et Firmino sont deux chaînons essentiels dans l'élaboration du jeu de Klopp. C'est-à-dire que Wijnaldum est le joueur qui doit se projeter le plus rapidement, et Firmino, c'est le joueur qui doit faire le lien. Et on sait très bien qu'on a un jeu de chaise musicale quand Firmino fait ce rôle de 9,5 et Wijnaldum qui va dans l'espace libre. Et les deux ont été mais complètement transparents. C'est vrai que finalement, le seul danger côté Liverpool, ça a été un peu les latéraux. Mais c'est finalement. Ça, latéraux. Alexander pour moi, Arnold, Robertson, c'est le MVP. Voilà, Robertson, Alexander Arnold. J'ai pas les la performance de Fabinho. C'est un des aspects du jeu de Liverpool, mais là, ça a été l'aspect unique ce soir. Moi, j'ai bien aimé Fabinho. Alors, forcément, dans la production offensive, il ne s'est pas forcément montré à son avantage, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Zéro duel gagné, Wijnaldum. Mais c'est vrai que lui, il était un petit peu en dessous. Mais Fabinho, notamment tu parlais tout à l'heure du fait que Liverpool est rapidement marqué dans la rencontre. Moi aussi, je trouve, et c'est là où ils ont pris peut-être l'avantage psychologique, c'est que sur les 10 ou 15 minutes qui ont suivi, ils ont su complètement résister à l'orage et ils n'ont pas forcément donné d'espoir à Tottenham, qui n'a pas forcément poussé. Mais en tout cas, ils ont réussi à
à bien garder leur défense. Et Fabinho, je trouve que vraiment, notamment dans ce moment, il a vraiment été très bon pour couper les lignes de passe et pour récupérer les ballons. Celui qui, techniquement, pour moi, au milieu de terrain, ramenait de la sérénité, réussissait à calmer le jeu quand il le fallait, quand à un moment donné, le Tottenham trouvait des situations dangereuses. Vraiment, il a été bon. Et c'est pas anodin que. Et c'est là que je félicite Klopp aussi. C'est pas anodin que Wijnaldum et Firmino sortent très, très rapidement. Et Milner a apporté. Il a été dangereux. Il a été beaucoup plus. En 30 minutes, il a beaucoup plus apporté que Wijnaldum, et Origi c'est aussi un choix payant, donc bravo Klopp sur ce côté-là, parce que je pense pas qu'il était qu'il avait prévu que son équipe passe à côté de cette façon dans le jeu, je parle, hein, dans le contenu, et il a fallu s'adapter et il a réussi, donc bravo. Après, c'est aussi ce qui fait la force de Liverpool, c'est qu'on connaît toutes les options qu'ils peuvent avoir sur le banc, et c'est que même si un joueur passe un petit peu à côté, tu peux aller faire rentrer un Milner qui a énormément joué cette saison. Après, le seul bémol, Origi, forcément, on l'attendait pas forcément, mais finalement, ça a été la bonne surprise. Après, le seul bémol, c'est que je me dis si on avait une équipe supérieure à Tottenham en face, Liverpool aurait, avec la pression c'est ce soir, ce que j'allais te dire, Wally, ce que j'allais vous dire, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que Liverpool, c'est pas aussi un peu reposer. Un peu adapté entre guillemets à l'adversité en face, c'est aussi l'adversité qui te pousse parfois à donner plus. C'est vrai que c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Totalement, et c'est en ça que Klopp est alloué, dans la mesure où son gegenpressing, il a remis à Peter, il a été dans une adaptation, et Liverpool a été plus dans une défense positionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que Tottenham passe par les côtés pour prendre tous les ballons sur les centres, parce qu'il n'y avait aucun danger significatif côté Tottenham. Kane était bien pris, Dele Alli faisait acte de présence, mais il n'avait aucun impact. Donc Liverpool... Le plus virulent, c'était Son, quoi. Ouais, c'est ça. Liverpool a tout fait pour... A tout fait pour que Tottenham passe sur les côtés. Ils ont bloqué l'intérieur du jeu, et donc c'est surtout sur la défense positionnelle qu'ils ont gagné le match. Et puis là où ils sont très bons aussi, Liverpool, c'est qu'ils savent quand est-ce qu'il faut défendre bas et essayer de résister pour essayer d'exploser en contre. Mais c'est aussi une équipe qui, par moment, sur certaines phases de jeu, décide de jouer un peu plus haut et d'aller vraiment presser l'adversaire à la gorge. Ils n'ont pas fait énormément de fois aujourd'hui, mais à quelques moments dans le match, justement, ils savent gérer. Il y a un moment où ils l'ont fait, ça va être le dernier point que j'aimerais qu'on aborde avant de passer aux conséquences de ce sacre et de prendre un peu d'auteur sur la consécration. L'entrée d'Origi, elle permet justement de maintenir ce pressing offensif. Elle est paradoxale, l'histoire de ce joueur en Ligue des Champions. Il va rentrer dans l'histoire du football européen alors qu'il fait une carrière, que ce soit avec Liverpool ou globalement, qui est plutôt décevante, d'Ivoque Origi. Encore une fois, il vient donner le sacre à Liverpool. Alors, pas de manière aussi importante que contre le Barça, mais ce soir, il est encore une fois héros des Reds. Comment vous avez jugé son entrée en jeu sur le plan tactique et sur le plan personnel ? Bah, sur le plan tactique, il est dans la continuité de ce que voulait Klopp, à savoir fallait avoir un élément de dissuasion devant. On savait qu'Aldevereid et Vertonghen n'étaient pas capables de conduire le ballon, donc il n'y avait pas vraiment de danger à avoir. Il fallait juste avoir une position dissuasive et donc essayer de couper les lignes de passe sans s'exposer. Et après, il met son but sur un ballon bien exploitable où il est très opportuniste, dans la mesure où il y a un jeu de ping-pong dans la surface. Au final, il hérite du ballon et il a le geste du buteur. Donc sa rentrée symbolique avec ce but, elle prend beaucoup de relief grâce à ça. Sinon, en dehors de ce but, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose, parce qu'encore une fois, il est tributaire du collectif de Liverpool. Non, mais moi, il m'a fait penser un peu, voilà, c'est le super sub à la Solskjaer, quoi. On s'en souviendra comme ça. Je pense que cette année, cette fin de saison, ce but à Newcastle qui laisse en vie Liverpool pour la course au titre, ce match extraordinaire sur la Remontada contre le Barça, et là, ce but qui fait du bien, parce que le temps additionnel, 5 minutes, tu peux te chier dessus, hein, tu peux te faire prendre pas par Tottenham, mais sur un temps additionnel un peu interminable à la 96e. On en a vu beaucoup des finales comme ça, et il met le but du break dans ce côté impact player juste avant le but. Il a un 2 contre 3 avec Salah, où il assure mal sa passe et il fait le mauvais choix, et derrière il se rattrape en mettant ce très très joli but. Je pense que Origi, on s'en souviendra dans 10-15 ans. Les gens oublieront son peu de titularisation. Ils se rappelleront de ces images. Bien entendu, ce sera le super sub de Liverpool qui aura mené cette équipe à la Ligue des Champions. C'est ce qui fait la magie des compétitions européennes, parce que c'est le genre de joueur qui aurait pu partir, par exemple, cet été. On parlait d'autres clubs anglais, etc. Finalement, il reste. En hiver, il y a Fulham qui est sur lui.
première partie de saison, on ne voit pas. Mais voilà. C'est vrai qu'effectivement, il manquait ce profil de neuf. On en parlait du profil de neuf à Liverpool. Et finalement, il a été important au meilleur des moments. Et puis peut-être que nous, on nous a parlé d'anciens joueurs qu'on imaginait exceptionnels, mais qui finalement avaient brillé seulement à des moments clés. Aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire. C'est vraiment les belles histoires de Ligue des Champions, comme tu l'as dit. On en a déjà connu et Origi continue sur cette voie-là. Et c'est aussi là que je loue un peu aussi le travail de Klopp, dans le sens où tu aurais pu avoir des entraîneurs frileux qui auraient fait que des changements défensifs, même à 1-0, pour essayer de préserver le score. Lui, il décide quand même de sortir Firmino, de rentrer un attaquant. Et donc, c'est du poste pour poste, mais ça reste quand même un changement offensif. L'optique d'aller chercher un deuxième but, face à une adversité qui te pousse pas vraiment à faire de changement défensif finalement. Je suis persuadé qu'il y a certains entraîneurs qui auraient fait des changements défensifs. J'abonde dans le sens de Najim, dans le sens où Klopp aurait très bien pu pas naturel, quoi. On va faire des changements par décret. On va mettre Wijnaldum en faux neuf. Et quand je dis changement par décret, ça veut dire par exemple garder Firmino, quoi qu'il arrive. Mmh. Et Dieu sait qu'il y a des entraîneurs que Klopp a affronté qui font ça. Donc quelque part, sur cet aspect de garder le joueur titulaire. Donc quelque part, c'est aussi la force de Klopp, à savoir que le collectif passe avant tout, et c'est à partir de ce collectif-là que l'individu va s'extraire pour apporter sa plus-value. Ce que veut dire Najim, c'est plus ce que Klopp aurait pu faire, c'est sortir Firmino et faire rentrer un joueur plus défensif. C'est ça. Ça paraît logique. En fait, on dit la même chose, mais après, on emprunte deux chemins différents. Moi, là où je féliciterais Klopp, c'est dans le fait d'avoir concerné Origi, même quand il jouait pas cette saison. En lui disant, et il y a des interviews notamment où il l'explique, en disant, tu vas être important cette saison, on va avoir besoin de toi. Sturridge, c'était en première partie de saison le deuxième derrière Firmino, il avait marqué contre le Paris Saint-Germain, il avait marqué contre Chelsea. Origi a été le backup de Firmino sur la deuxième partie de saison. Et comment tu concernes un mec qui a des envies de transfert, qui a des envies de temps de jeu, ça aussi c'est fort. Ouais, c'est du management. Et il a été en termes d'effectif, il a très bien géré son effectif. Et clairement, Origi aujourd'hui, c'est un joueur qui était là sur le Liverpool Séville. Il est dans l'effectif. Ouais. Je crois qu'il rentre ou il joue contre Dortmund à l'aller ou au retour. Donc déjà, le début d'histoire est là. Bon, il était parti à Wolfsburg entre-temps, il est revenu, il marque ce but contre Everton qui tombe un peu du ciel, qui le remet un peu dans le sens de la marche. Il gratte des minutes, etc. Et lui aussi, on félicite Klopp, mais il faut le féliciter aussi. On dit souvent, faut rentabiliser les minutes qu'on te donne. Et il l'a très très bien fait. En termes de responsabiliser un groupe. C'est la dernière réaction, parce qu'on est resté très longtemps. En termes de responsabiliser un groupe, c'est ce qui se fait de mieux, Klopp, en Europe, même au niveau des milieux de terrain. Quand tu regardes tous les milieux de terrain de Liverpool, ils ont pratiquement tous joué au moins 15 matchs. C'est un entraîneur qui arrive à chaque fois à donner les minutes. Ça permet de parler de la deuxième partie de cette émission, pardon. Origi, qui a permis à Liverpool de gagner ce titre, mais au-delà de ça, Liverpool qui est consacré en Ligue des Champions, enfin, parce que Liverpool a raté, les Socios, vous savez, a raté des finales. C'est la troisième finale de Jurgen Klopp avec Liverpool, une finale de C3, une finale de C1 l'an dernier, perdue, et puis cette finale remportée, vous le voyez à l'écran, neuf finales, un très beau ratio de Liverpool. C'est plus sur les dernières saisons qu'il y avait ce petit goût d'inachevé à la dernière marche, mais voilà, Liverpool, vous le savez, une équipe de coupe, une équipe capable de remporter ses championnats. Une équipe de coupe qui s'est un peu comportée en mode championnat ce soir, c'est un peu la tendance qu'on en fait ici, mais en tout cas voilà, Liverpool qui est titré, alors on dit enfin, parce que Liverpool est passé, je le rappelle, ces dernières années par des périodes de moins bien, voire de catastrophe quasiment, puisque on se rappelle des saisons à la 9e place, dans le ventre mou de Premier League, on se rappelle de l'après Suarez qui avait mal été négocié, et petit à petit Liverpool se refait une place dans le gratin du foot européen. Désormais, on peut les juger à quelle hauteur, messieurs, après ce sacre. Bah là, avec ce titre, ça acte le retour au très haut niveau de Liverpool sur l'échiquier européen, parce que Liverpool est ce soir la troisième équipe la plus sacrée de la Ligue des Champions, derrière le Real Madrid qui est largement leader, derrière le Milan AC, et donc il y a Liverpool. Donc ça démontre bien qu'il y a une symbolique qui est très forte, à savoir que ils ont gagné la finale 100% anglaise. On les attendait, on pensait pas non plus que le retour au très haut niveau il serait aussi fulgurant, parce qu'on était plus parti sur une idée de processus qui s'étendrait sur 2-3 ans supplémentaires. Force est de constater qu'il y a eu cette crise de croissance cet accélérateur de croissance qui a été très important et qui t'amène à la Ligue des Champions. Moi je dis souvent qu'il n'y a pas forcément de logique dans le football. Exactement. Mais là, quand on voit le titre de Liverpool, j'ai envie de dire
pratiquement que la logique a été respectée. C'était quasi écrit. Finalement. Voilà, parce que si on voit cette progression qu'ils ont eue sur ces 4-5 dernières années, bah, c'est mérité tout simplement. Je regardais, mais en 2015-2016, Liverpool termine 8e du championnat de Premier League. Ils venaient de prendre Klopp. Ils nous ont laissé du temps, ils ont fait des recrutements très malins en allant chercher un Robertson qui jouait à Hull City, en donnant sa chance à Alexander Arnold qui était issu du. C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais on pense, je pense notamment à Mohamed Salah quand il arrive. Bien sûr. Personne ne se doute que. Totalement. Voilà, que pareil Mohamed pour Salah, Mané. Voilà. Également, c'était des bons joueurs, mais on ne pensait pas que ça allait être. Firmino, quand il arrive pour 40 millions. Voilà ce que j'allais dire. Et en plus, Firmino, il n'hésite pas à débourser 40 millions d'euros. C'était un pari, mais finalement, c'est payant. Pareil pour Van Dijk. Il décide de mettre 85 millions d'euros, alors qu'on pouvait peut-être penser qu'il ne valait pas ce montant-là au début. Donc à chaque fois, ils ont fait des bons recrutements. Ils perdent Coutinho, mais finalement il continue à être dans la même progression. Et donc quand on met tous ces éléments bout à bout, on ne peut que les féliciter et se dire que c'est un projet qui a été mené dans toute voilà, logique exactement. Et par étapes. Et rendez-vous compte, il y a 4 ans c'était une équipe qui prenait 6 buts au Britannia Stadium face à Stoke. Aujourd'hui Stoke est en Championship, Liverpool est champion d'Europe. Donc ça démontre bien quoi ? Ça démontre bien que quand tu as un projet qui s'inscrit dans la durée, quand tu fais les ajustements qu'on évoquait hier, à un moment donné il y a une corrélation entre ce que tu fais dans les bureaux à travers le scouting et ce que tu fais sur le terrain. Klopp disait en conférence de presse, la saison dernière a été très intéressante dans la mesure où on a pu voir où en était l'équipe, on a su installer les fondations. Là où on a été très efficace l'été dernier, c'est qu'on a su faire les ajustements là où il fallait. À partir du moment où t'as un projet de jeu qui est bien établi et que tu vois rapidement les 2-3 défauts, t'as juste qu'à corriger et ça va marcher. Et puis on l'a vu, hein, aujourd'hui la progression elle est matérialisée par des joueurs qui ont été très très bons sur la saison. On va pas parler de Van Dijk parce que tout le monde le rabâche. On va en parler un peu parce qu'on aura une petite quand même sous-question d'accord, Ballon okay. d'Or qui trotte auprès des sociaux, c'est qu'on va poser. Mais donc par rapport à Van Dijk, on en parlera tout à l'heure, mais Alisson, c'est pas Karius de la saison dernière. Exactement. Elle est là la différence aujourd'hui combien de fois on a dit purée, il faut un gardien à Liverpool. Ah bah oui. Et c'est un secteur. Je crois que les fans des Reds se rappellent de l'époque Mignolet, Karius. Et la différence, elle se fait là parce que l'erreur de Karius la saison dernière, elle coûtait très très cher. Aujourd'hui, t'as un Alisson qui a été très bon contre le Barça, qui a été très bon toute la saison et encore une fois ce soir à des moments clés sur le coup franc d'Eriksen, sur la frappe de Lucas ou de Son, etc. Il était très très bon. Les latéraux, on en a parlé et le banc. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, enfin, je ne sais pas si c'est jour pour jour, mais en tout cas, il y a un an, sur la finale de Ligue des Champions, quand Salah rentre, qu'est-ce que tu as sur le banc ? Tu dois faire rentrer qui ? Lallana qui était en U23, qui était avec la réserve pendant un mois, il y a un mois et demi avant, il se battait, il se mettait sur la gueule avec un autre joueur en réserve. Et aujourd'hui, tu as un choix, Origi paradoxalement, Origi faisait partie des joueurs du type de Lallana qui n'était pas forcément. Exactement, mais l'année dernière, il n'était pas là, il était à Wolfsburg. Shaqiri, que tu as recruté, qui aurait pu rentrer, tu as un banc beaucoup plus fourni. Un Milner qui rentre alors que l'année dernière, il était titulaire. Ouais. Voilà, t'as renforcé ton effectif et bravo Klopp, bravo aussi pour tous les étages dans le club. Justement, Walid, ils ont tout bien fait. Il y a ce renforcement vous avez parlé de l'apport des joueurs, alors on s'arrêtera peut-être si on a le temps sur Van Dijk, sur Sadio Mané. On nous parle beaucoup, les fans du Sénégal d'ailleurs, qui seront, je l'espère, nombreux à la CAN, nous parlent énormément de Sadio Mané. Il a aussi très fortement contribué à l'excellente saison de Liverpool. Au-delà de ça, vous parliez des joueurs intrinsèquement, mais ils correspondent aussi à un projet coach. Est-ce qu'on peut aussi s'arrêter sur le projet Klopp ? Quelque part, il y a aussi cette volonté de Klopp de recruter des joueurs sur un profil bien défini, bien avec une caractéristique. Je pense qu'on ne prend pas Shaqiri au hasard, on ne prend pas Oxlade-Chamberlain au hasard, pas forcément les joueurs les plus forts de leur catégorie ou de leur poste, mais finalement qui épousent un projet de jeu assumé sur la durée. Ce projet de jeu n'avait pas permis à Klopp de remporter des titres européens jusqu'alors. Désormais, c'est chose faite. Est-ce que ce n'est pas aussi la victoire du style de jeu du projet Mais club. C'est ce qu'on disait déjà hier soir avec Pochettino, à savoir qu'encore une fois, ça récompense le projet de jeu, le processus. Et Pochettino et donc Klopp qui a gagné la Ligue des Champions ce soir, ce sont deux entraîneurs qui sont à contre-courant du football d'aujourd'hui, entre guillemets, dans la mesure où je m'en rappelle très bien de ce que disait Klopp au soir de l'un de ses premiers matchs en tant qu'entraîneur de Liverpool. Il avait battu Chelsea 3-1 à Stamford Bridge. À un moment donné, on lui dit « Est-ce que vous allez recruter en hiver pour vous qualifier en Ligue des Champions ?» Klopp, il avait dit la chose suivante.
Il dit, à un moment donné, le processus d'entraînement, le développement des joueurs est nettement plus important que d'investir massivement sur le marché des transferts. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait faire un état des lieux en sachant quels joueurs pouvaient progresser sous sa tutelle, les besoins internes qu'il y avait, et Dieu sait qu'il y avait des besoins internes qui étaient très intéressants. Il suffit de parler d'Alexander Arnold, qui était quasiment inconnu, et aujourd'hui, il est très connu, puisqu'on en parle, c'est l'un des futurs top latéral droit au monde. Même Robertson, il était inconnu, bon, il n'était pas encore là. Et ensuite, Klopp, il a travaillé sur le développement personnel des joueurs, il a travaillé sur cette idée de processus, et à un moment donné, dès que t'as pas ce matériel humain, à Melwood, qui est le centre d'entraînement de Liverpool, là tu vas chercher à l'extérieur. Mais la priorité, c'est d'investir sur ce que tu as maintenant. Moi, ça me faisait penser à ce qu'a pu dire Claude Puel dans l'interview qu'il a donnée à El Pais, où il disait qu'en gros, voilà, il fallait recruter à chaque fois des joueurs qui peuvent être en adéquation avec ton idée de jeu. Et c'est exactement ce qu'a fait Klopp. Et pas s'adapter aux joueurs qu'on a. Voilà. Ou qu'on pas forcément aller chercher le joueur qui est libre sur le marché, mais plutôt aller vraiment chercher le bon profil. Moi, forcément, je pense à Oxlade-Chamberlain qui était à Arsenal, qui jouait sur le côté. Il avait cette envie de jouer dans l'axe. Klopp l'a recruté parce qu'il savait qu'il pouvait en faire un bon milieu de terrain adapté à son idée de jeu. Mais on le rappelle, l'an dernier, qui a été très impondérant. Et donc, il a fait ça avec énormément de joueurs. Et évidemment, je rejoins Elton sur le fait qu'il a su faire progresser des joueurs qu'on n'imaginait même pas à ce niveau-là. C'est peut-être la plus belle chose chez un coach, c'est cette capacité qu'ils peuvent avoir à faire progresser des joueurs. Il faut bien saisir cette nuance. Klopp, il ne cherche pas le meilleur joueur de la Première Ligue. Il cherche le meilleur joueur pour Liverpool. Ça, c'est une nuance, elle est très importante. Exactement, parce que c'est des joueurs qui ont vocation à rendre l'équipe plus compétitive. Ils pourraient aller acheter le meilleur joueur de Première Ligue. Mais est-ce que ce joueur-là aurait une plus-value? Peut-être. Mais je ne suis pas sûr que ça apporterait quelque chose sur le long terme. On a souvent tendance à dire que les meilleurs joueurs t'approchent de la victoire. Ce n'est pas toujours vrai. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est les clubs des joueurs achetés. City. On parle souvent. Newcastle. Oui, il faut acheter des grands joueurs. Il faut mettre énormément d'argent pour se constituer la meilleure équipe. Et ce qu'a fait Klopp avec de l'oseille à un moment donné, parce que c'est pas une équipe sans oseille. Il y a eu quand même des recrutements. On pense à Alisson notamment. Exactement. Mais Alisson, c'est la Roma. Salah, c'est la Roma. Tu l'as dit, Firmino, il a Hoffenheim, il joue avec Modeste et Vargas à ce moment-là. Wijnaldum qui venait descendre de Newcastle. Fallait Robertson, pareil. Shaqiri, la même chose de Stoke City. Robertson, Hull City, la même chose. Au milieu de terrain, Milner, je le dis. City, ils l'ont dégagé, Milner. Ils l'ont dégagé. Il l'a pris pour jouer latéral droit et pour remplacer Moreno, parce que Moreno n'était pas bon. Tout ça, c'est ça qui est important. Fabinho, Monaco, on n'a pas de joueurs. Van Dijk, même si c'était un monstre et on savait qu'il avait d'énormes qualités, mais c'est Southampton. C'est-à-dire que ce genre de joueur là, on n'a pas tapé le haut du panier. Exactement. Et tu constitues, avec un grand puzzle, pièce par pièce, ton puzzle pour aller... Toujours avec le point commun, exactement. L'idée directrice, et c'est pour d'avoir un football qui est propre à Jürgen Klopp, pour ça que moi, Bilal, il faut féliciter Klopp, parce que ce soir, il jouait gros. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Mm. Pour beaucoup, s'il perdait ce soir, il aurait cultivé cette mentalité de loser. Le loser magnifique. 6 finales d'affilée, il les perd. Il perd contre Dortmund, il perd avec Dortmund, il perd avec Liverpool contre Séville. Là, il perd 2 finales d'affilée. Ce soir, il rentre dans une autre dimension. Clairement, parce que moi j'adore et je suis vraiment content pour ça, parce que c'est mérité. Enfin, toi t'es content pour lui, on va voir si Klopp est content pour lui-même. On a sa réaction. Ouais, il a fait la fine bouche. Le football lui devait une C1. Il y a peut-être la déclaration de Jürgen Klopp qui va arriver. En attendant, messieurs, c'est vrai qu'effectivement, on la voit à l'écran, on va la citer maintenant. Le match était difficile, ça couronne toute la saison. Ils ont joué leur meilleur football, ces joueurs. On a un gardien qui a fait des parades formidables, c'est sensationnel cette victoire. Je suis très heureux que ce soit mes joueurs. Ce soir, c'est la meilleure soirée. Et c'est ce qui le caractérise le plus. À valoriser ses joueurs. J'ai rarement vu tirer à boulet rouge sur... J'ai pas le souvenir qu'il ait tiré à boulet rouge sur tel joueur. À part Mamadou Sakho, mais je crois que c'était le steak qui était trop... qu'à un moment, le steak était un peu trop... On faisait déjà écho de ce que disait Klopp au soir de Barcelone, où ils avaient quand même pris 3-0. L'entraîneur aurait très bien pu se dire qu'est-ce qui s'est passé, on a pris 3-0, lui il était détendu, et c'est cette forme de tranquillité qui est rejaillie sur les joueurs. Et d'ailleurs Van Dijk le disait à la presse anglaise cette semaine, à savoir que à partir du moment où on évolue dans un environnement qui est
tranquille, enfin tranquille, qui est apaisé, à partir du moment où tous les joueurs font tout ce qu'il faut pour faire un grand match ou une bonne saison, il n'y a pas de raison pour que y ait pas les objectifs ne soient pas atteints. Ils pouvaient très bien perdre la finale, mais l'important, c'est le processus, encore une fois, d'être en adéquation avec ce que tu fais chaque jour à l'entraînement et que tu sois proche de... Non, mais moi, je conseille surtout, Bilal, parce qu'on ne va pas faire long ce soir, on a fait une émission hier qui était très très intéressante sur voilà, Klopp et Liverpool, d'une heure et demie notamment. Et moi, ce qui me fascine, je le disais en fin d'émission hier, c'est que j'ai vraiment cette impression que, comme on l'a dit sur les précédentes années, Bayern, Barça, Real, trois entités qui, à chaque début de compétition, on les mettait, les trois favoris, c'est ça. Plus un outsider. Voilà, plus un outsider. Moi, j'ai vraiment l'impression que la question, le « et maintenant », c'est que ça ne va pas s'arrêter. C'est qu'aujourd'hui, Liverpool va devenir un acteur majeur. Cette saison, on parle quasiment pas de départ côté Liverpool, ce qui n'était pas le calendrier. On parle de renforcement. Et à un moment donné, il faut rappeler que sur les deux dernières années, en Ligue des Champions, ils ne se sont pas fait sortir sur un aller-retour. Ils sont invaincus. Cette année, Klopp, depuis qu'il est arrivé, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, exactement, on va voir, à l'écran l'historique des finales de Liverpool. Et d'abord, voir le classement des titres en Europe, peut-être le classement des titres. Là, on voit l'historique de la finale, on l'avait vu. Historique est largement favorable. On va voir également le classement des titres. On le voit à l'écran, Liverpool qui est juste troisième des clubs les plus titrés en Europe. On le disait, la coupe aux grandes oreilles qui réussit à Liverpool avec des titres glanés récemment, deux titres. Hein. Maintenant, j'ai envie de dire, 2005, c'est celui de 2019. C'est la première ligue, quoi, maintenant. Ça va être ça le. Ça va être ça l'objectif. Mais sincèrement, cette année, quand on parle du gap qu'ils ont comblé par rapport à l'an dernier où ils étaient à 25 points de Manchester City, aujourd'hui ils font une saison à 97 points. Cette année, il faut rappeler qu'ils étaient dans la poule la plus compliquée avec le Napoli, avec le Paris Saint-Germain. Derrière, ils sortent le Bayern de Munich là-bas où ils avaient fait quand même une contre-performance à la maison où ils font 0-0 avec un très grand Mané où ils gagnent 3-1. Et bon, il y a le passage de Porto. Ils vont faire une remontada au Barça sans Origi, sans Firmino. Sans Firmino, avec Origi et Shaqiri, vraiment, je sais pas si on se rend compte, mais ce qu'ils ont fait cette saison, c'est incroyable. Ce qui est bluffant aussi, c'est que cet homme Klopp, il a su aussi faire évoluer son équipe par rapport à la saison dernière. Rappelez-vous ce 4-2-3-1 qu'il mettait sur la première partie de saison, où il avait décidé de faire jouer un peu plus son équipe pour essayer d'avoir un peu plus la possession de balle, etc. Après, ensuite, il est revenu à son 4-3-3, mais sur certains moments de la saison, il a su aussi parfois se remettre en question, changer de système. Et même pour aller un peu plus loin, on dit souvent, le football, ça fait maintenant plus d'un siècle que ça se joue. C'est difficile aujourd'hui de trouver des innovations tactiques, de réussir à trouver de nouvelles idées. J'ai la sensation que ça a été le cas cette saison avec Klopp, notamment avec la prépondérance des latéraux. On a vu aujourd'hui des latéraux qui jouaient pratiquement ailiers, avec deux ailiers qui jouaient pratiquement attaquants. J'irais même pas ailier. Pour moi, c'est les playmakers de cette équipe. Ouais, voilà. Pour moi, voilà, c'était deux ailiers et limite Salah et Mané qui jouaient pratiquement avant-centre aux côtés de Firmino. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'ai rarement eu l'habitude de voir et que très certainement d'autres équipes vont essayer de copier. On l'a vu ce soir, l'apport des latéraux. Messieurs, on parle d'avenir aussi pour Liverpool. Alors tout à l'heure, j'évoquais en souriant à moitié le Ballon d'Or qui pourrait éventuellement se consacrer un joueur de Liverpool, même si finalement cette saison a aussi laissé le collectif en star en Ligue des Champions. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? Tu parlais de Première Ligue, Walid. Désormais, Liverpool est un club qui attire. Oui. Le projet va prendre aussi une dimension, j'imagine, un peu plus importante. On va peut-être plus aller recruter. Ils ont une cible derrière le dos maintenant. On va peut-être plus aller recruter à Southampton. On va peut-être plus aller à la AS Rome pour prendre des recrues. Est-ce que ce passage peut pas être difficile? Je suis pas d'accord. Non, mais la question que je me pose, moi, c'est où est-ce qu'ils vont se renforcer maintenant? Où sont les lacunes dans cette équipe? C'est-à-dire que peut-être au milieu de terrain, mais selon les départs, exactement, aussi tributaires des départs d'ailleurs. Mais qui va partir? La question que je me pose aussi. Et au milieu de terrain, si tu ramènes une plus-value, j'ai peur que tu perdes cette intensité, cette hargne que sont les joueurs emblématiques comme Anderson, comme Milner. Moi, je pense que Anderson, bien entendu, qu'il y a des joueurs meilleurs que lui à son poste en Europe, techniquement, etc. Mais est-ce qu'ils vont apporter ce qu'il apporte dans le leadership, dans le vestiaire, dans cette capacité aussi à haranguer ses troupes et à être important?
Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Bien entendu, c'est Elton qui le disait avec le Real Madrid ou avec le Barça des grandes années, gérer le succès, c'est le plus compliqué. Exactement. Mais là, je me pose la question, si tu dois cibler en termes de recrutement, ce serait plus en quantité qu'en qualité. Ce serait plus fournir, enfin, essayer de renforcer quantitativement l'effectif pour faire comme City, par exemple, doubler, voire tripler les postes c'est pour essayer de gagner la première ligue. Mais sinon, je me pose ce genre de questions. Ouais, après, l'ennemi, c'est le plus grand ennemi du footballeur, c'est le plus grand ennemi d'une équipe. Donc, il ne faudra pas qu'il reste immobile, ce que mais je veux dire. C'était sur quoi que tu n'étais pas d'accord avec C'était une question. Mais là où j'étais pas d'accord, par rapport au club, non, mais ce que je disais, quand tu parlais du recrutement, moi je disais, on en parlait hier, l'essence britannique qui est très importante à Liverpool. Et d'ailleurs, ça a été l'un des succès du Liverpool version club, à savoir qu'ils ont su capter cette idée de tradition et de modernité. Quand tu vois la nature de l'équipe, quand tu vois le squelette de l'équipe, c'est des joueurs qui ont été recrutés dans des équipes moyennes de première ligue, mais c'était des joueurs qui étaient capables de se mettre au diapason de l'idée. Ah oui, j'ai pas le contraire, la question peut se poser. C'est, mais tu dis souvent que le contexte définit les choses, Liverpool champion d'Europe. Dit ça, moi. Ah mais tu dis souvent mais non mais c'est vrai, je sais comment le prendre par ses sentiments. Tu dis que le contexte est défini. T'as eu le bingo, t'as eu le bingo le temps de Mokolo. Ouais, là, j'ai même pas dit une fois. Pour aller au bout, à présent Elton, on parle du Liverpool champion d'Europe. La dimension n'est pas la même. Est-ce qu'on peut envisager le recrutement de la même manière que quand Liverpool projetait comme objectif d'atteindre et de rester dans le Big Four? Ouais, mais après, c'est toujours une équation qui est compliquée. Moi, ce que je veux dire par là, il ne faut pas non plus renier ce qui t'a amené au succès. Mmh. C'est un équilibre à trouver. Moi, je pense qu'il faut quand même continuer sur cette idée. Et Walid, il l'a dit, ça reste quand même difficile parce qu'une fois que tu as atteint le sommet, tu peux pas aller. Il faut y rester. Comment ils ont fait post 2005? Ouais, ah, post 2005, c'était. C'est pas la même. Ouais, le contexte était. Le contexte était vraiment différent. Le contexte avait défini les choses. Non, mais le contexte était différent parce qu'ils avaient terminé 5e à plus de 30 points de Chelsea. C'était une équipe qui était là par hasard, entre guillemets, dans le sens où on les attendait pas. Non, mais franchement, l'objectif, c'est la première ligue. Si cette équipe-là ne gagne pas la première ligue, ce sera une immense déception parce que c'est peut-être, voilà, l'une des meilleures équipes de première ligue sur les 5-6 dernières années qu'on voit là en ce moment. Et de ne pas réussir à la gagner parce que Klopp, à un moment donné, il va partir de Liverpool et pas rester 10 ans, enfin je le souhaite peut-être à Liverpool, mais aujourd'hui dans le football moderne, c'est pas non plus. On est plus sur des cycles très longs. Exactement. Et puis surtout, il y a cette petite malédiction, qu'ils l'ont pas remporté depuis 1990. On peut dire que des joueurs, je pense notamment peut-être un des trois devant, est-ce qu'on peut pas se dire qu'avec un appel du pied d'un autre club européen, se dire d'aller jouer, une fois, partir sur une bonne note? On imagine toujours des départs Mané ou Salah, peut-être, mais... Est-ce qu'on peut pas s'imaginer éventuellement... Ils ont été prolongés à prix d'or il y a moins d'un an. Donc pas dans un futur immédiat, mais... Et je pense que les deux, de toute façon, les deux, s'ils partent, c'est Real ou Barça. Moi, je vois pas un joueur de Liverpool partir autre part. Ouais. Tu ne peux pas partir de Liverpool. Ouais, tu pars à City, tu te fais détester. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire que ce sera pour ces deux clubs-là. Tu peux avoir le Bayern ou la Juve qui peuvent. Ouais, même ça, pas, ça ouais, peut paraître un peu plus compliqué, mais c'est pas inimaginable. Si je suis à la place de Salah et Mané, il y a le Bayern et la Juve, je reste à Liverpool avec Klopp. Oui, certainement, mais en tout cas, ça peut se poser. Exactement. Maintenant, on sait que c'est le rêve. Mané a son rêve, c'est de découvrir le championnat espagnol. La même chose pour Salah, etc. Le Real et le Barça, ça reste quand même prestigieux. On l'a vu avec Coutinho, etc. Bon, il n'a pas fait il a pas eu la meilleure idée du siècle a posteriori, mais je pense que. C'est dur à rester. Mais le problème, c'est est-ce que ces clubs-là ont de la place pour ces deux joueurs? Ça dépendra des projets. De toute façon, pour moi. La dernière réaction vraiment sur cet aspect. Pour moi, le Final Cut, ça sera Jurgen Klopp, encore une fois, dans la mesure où. Très bon logiciel pour monter les vidéos, ça, Final Cut. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant ils ont conquis un titre qui va sceller un sorte de pacte. Et donc l'idée de Klopp, c'est il va falloir à un moment donné se détacher de l'aspect émotionnel au moment de prendre des décisions qui vont être à un moment donné très difficiles. C'est-à-dire que quand il y a des joueurs qui feront pas l'affaire, faudra leur dire c'est terminé. C'est là où il sera attendu, parce que Dieu sait, et d'ailleurs le Real Madrid l'a vécu il y a quelques mois, à un moment donné quand t'as des joueurs qui t'ont tellement donné, t'as pas forcément le recul pour prendre les décisions et dire c'est terminé. Surtout il faut que t'arrives aussi à garder les joueurs sous pression. Exactement. Aujourd'hui ils ont remporté
remporté la Ligue des Champions, tu peux avoir ce petit relâchement de pression. Et donc, ce recrutement, il peut être aussi là pour tout simplement continuer à mettre certains joueurs sous pression et faire en sorte qu'ils restent compétitifs. Je souhaite à Liverpool de gagner 3 Ligues des Champions comme le Real Madrid. S'ils en gagnent 3, ils peuvent décompresser, les mecs. Ils peuvent peut-être. On ne peut jamais décompresser dans le foot. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester au sommet. T'imagines les mecs qui font la fête ce soir, etc. On parle déjà de la suite. Il faut ça rappelle le football. Ça rappelle une anecdote. Laissons-les faire la fête. Laissons-les. Non, mais ça rappelle une anecdote d'Arrigo Sacchi. Quand ils avaient gagné leur deuxième Ligue des Champions, ils avaient gagné la Coupe Intercontinentale. À un moment, je crois que c'est Baresi qui arrive dans le vestiaire. Il dit : on est les meilleurs au monde. Et là, t'as Arrigo Sacchi qui dit : ouais. Jusqu'à demain matin. Manière de dire, maintenant ça s'est terminé, on passe à autre chose. Ah, une fois. C'est ça, c'est ça, la mission accomplie, on se projette. C'est ça le très haut niveau. Merci pour l'anecdote. Non, mais c'est Anton Mokolo. On parlait de consécration pour Liverpool, une consécration qui aurait pu être du côté de Tottenham aussi ce soir. Tottenham qui est arrivé en novice. Dans cette finale de Ligue des Champions, novice puisque les Spurs ne sont pas habitués à disputer ce stade de la compétition. On les a vus en novice aussi parce qu'il y a eu des erreurs, on en a parlé techniques au cours du match. On le voit à l'écran, les 6 derniers novices en finale de Ligue des Champions sont tous inclinés. Tottenham, Chelsea, Monaco, série, Leverkusen, Arsenal, je vous les donne pêle-mêle, Valence dans les années 2000. C'est toujours compliqué. On aurait pu même parler, alors en termes de projet, évidemment, avec les joueurs qui étaient présents de Liverpool l'an dernier. On en a parlé pour beaucoup de joueurs de Liverpool. J'aime bien le terme novice, parce que novice, en plus, ça va dans les deux sens. Manque un peu de vie sur le terrain, manque un peu d'expérience. Non, mais j'aime bien, c'est ça. Quand tu penses à Trippier au bout de 10 secondes, il y aurait peut-être fallu un peu plus de vis côté. La boîte à outils, il fallait parce que tu fais obstruction sur Mané, il n'y a jamais pino. Après, Moussa Sissoko aussi, il n'est pas obligé de jouer à la boîte à outils, ça dépend si tu vas prendre. Parce qu'à un moment donné, il joue à la Macarena pendant tout le match, le mec. Donc, tu vois, il peut mettre ses bras là comme ça. C'est un signe de ralliement du quartier des 4000 là-haut. Ça fait marrer quelques socios, mais je ne sais pas s'ils sont ironiques sur nos blagues. On prend toujours un peu cher sur notre humour au Club des 5. Ils sont habitués. Avant de parler de Tottenham, les socios, alors je vais vous rappeler la question du soir, mais juste avant. Petit passage sur les likes, on est presque 1300 en direct, mes chers socios, 218 likes seulement, ça fait même pas 5% de présence en direct. Continuez de liker l'émission, continuez de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre le pouce bleu à l'émission. C'est la finale, c'est l'apothéose, on sera ensemble évidemment pour la CAN et la Copa América, mais ce soir ça reste un grand soir. Je sais que c'est pas une grosse soirée football, mais c'est une grosse soirée pour nous et pour vous les socios, puisqu'on a passé toute cette campagne extraordinaire ensemble et il y en a eu des beaux matchs, donc récompensons cette aventure commune par les petits likes. 268, j'ai l'impression qu'ils se réservent pour le France-Bolivie de demain. Je pense qu'ils veulent pas tout envoyer. On parle pas du monde féminin, hein, parce qu'il y en a peut-être qui attendent. Non, mais ils veulent pas envoyer tous les likes tout de suite, parce que demain il y a un France-Bolivie, les gars. Ça va être extraordinire. Les socios sont vous attendent. La première section de Clément Langlais, rien que pour ça. Ou de Léo Dubois. Petit passage également sur la question du soir. La question qui nous suit depuis le début, et vous le savez, même si on n'a pas totalement focus l'émission sur Tottenham, ça nous permet aussi de comprendre quelle a été la prestation des hommes de Pochettino. Est-ce que Tottenham était capable de faire mieux ce soir, capable, parce qu'on se demande si ce n'était pas un plafond de verre aussi pour Tottenham, cette finale à Madrid. Plafond de verre ou pas, les gars, pour les Spurs ce soir? C'est très compliqué parce que voilà, déjà l'épopée des Spurs, il faut les féliciter, c'est héroïque, on l'a expliqué le contexte, on en a fait des débriefs des heures et des heures, mais c'est vrai que quand tu vois la rencontre, même s'il y a eu des joueurs qui ont été à l'initiative, il y a eu des mouvements plutôt intéressants, mais je le disais dans le débrief tout à l'heure, voilà, ça a manqué un moment donné de justesse, de QI foot, de cette capacité à créer la différence, d'avoir la bonne surface de pied, même sur les tirs, que ce soit Son, Lucas. À un moment donné, c'était très timide, très mou. Bien entendu qu'on peut être déçu quand on voit la pression de Kane. Alors, bien entendu qu'il y a ce contexte et ce retour de blessure. Je pense qu'il était en rythme. On l'a pas énormément vu. Maintenant, Son, Eriksen... Les lieutenants ont déjoué. Exactement. Son a
essayé. Hein, sur les 15 dernières minutes, il a mis un peu le feu. Il a eu des occasions. C'est pas à lui que j'en veux le plus, mais Eriksen et Dele Alli, encore une fois. Abami Dele ce soir. Non, mais moi, en fait, moi, j'ai même pas envie de parler d'Ali parce que Ali, à la limite, on le connaît, on le sait, on l'a dit. Ouais, c'est ça. On l'a dit, c'est bon, on le sait. La surprise, ça aurait été qu'il nous fasse un grand match. Mais Eriksen, à un moment donné, moi, ça devient saoulant, quoi. C'est que Eriksen. Non, mais j'ai du mal. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Parce que Eriksen, c'est toujours compliqué d'analyser ses matchs. Je sors d'un match d'Eriksen et je sais pas quoi dire. Ouais, c'est les Vikings, non, ça. Non, mais je sais. Est-ce que vous avez ce sentiment devant la télé? C'est un joueur très très beau à voir. C'est quoi plutôt dans la... Moi, j'ai ce sentiment-là, Walid, dans la prise de risque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, il est là où il peut tenter la passe la plus risquée. Il va toujours se brider. Il va passer le match avec des petits temps forts de 5-6 minutes où, sur une action, il peut te faire un renversement de jeu, un coup de pied arrêté, un centre, une frappe. Tu vas le voir entre les lignes. Et derrière, pendant 20 minutes, rien. Mais vraiment rien, tu le vois pas entre les lignes, il soulage pas son milieu de terrain. Ça fait plaisir Edith. Tiens, SODR28 qui nous dit frustrant ce joueur, c'est le mot. C'est frustrant. Ce qui s'est passé si on s'attarde sur. Moi j'adore ce joueur à la base, mais. Si on s'attarde sur l'idée tactique, il avait quand même le contexte a priori le meilleur plus pour favorable, lui. Ouais. Plus favorable, c'est-à-dire que là il y avait Winks qui est revenu sur la base pour s'occuper des relances, ce qui mettait Eriksen nettement plus haut. Ce qui mettait Eriksen. On voit notamment au niveau des positions moyennes nettement plus proches de Son, Dele Alli et Harry Kane. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a vu un Eriksen, comme l'a dit Walid, c'est un intermittent ce soir. C'est ça. C'est un intermittent. C'est souvent intermittent. C'est un intermittent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je voyais des séquences. Je vois Harry Winks, Moussa Sissoko qui sont en parallèle face au milieu à 3 de Liverpool. Et moi, je me dis, mais Eriksen, à un moment donné, il va redescendre, il va essayer d'apporter une aide pour que Harry Winks puisse relancer le ballon proprement. Eriksen, il allait à gauche, il allait à droite, il était toujours c'était, à contre-temps. C'était d'ailleurs le cas, même s'il y a eu Khalifa à la fin contre l'Ajax, ouais, on le voyait dézonner au centre du terrain sans vraiment savoir. Justement, et qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, Pochettino, il s'est dit, bah, puisqu'Eriksen ne touche pas le ballon, je vais sacrifier Winks pour qu'Eriksen il touche le ballon. Et même là, ça ne suffit pas. Donc à un moment donné, on sacrifie Winks pour que tu touches davantage le ballon et tu Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un changement Eriksen pour Lucas par exemple? Pochettino, il était aussi attendu, Elton, sur cette micro-tactique ce soir. On parlait de Klopp tout à l'heure qui n'hésite pas à sortir Firmino. Pochettino, lui, il est dans cette posture titularisation par décret. Est-ce qu'il a les mêmes moyens que Klopp? C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Eriksen, est-ce que tu as un joueur dans l'effectif de Tottenham aussi autant en qualité, notamment sur le point de vue technique, et qui peut t'apporter ce profil-là. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, mais en première mi-temps, c'était Sissoko qui essayait de jouer en une touche pour se projeter très très rapidement. Mais c'était le seul qui était vertical. Et Eriksen, à un moment donné, le mec... il faut parler de cette action-là. Il est sur le côté droit, il a un centre au cordeau. En plus, il a une qualité de centre qui est extraordinaire. T'as au deuxième poteau, Son... Sur Arnold, Kane dans la surface et plus Dele Alli, qu'est-ce qu'il fait Eriksen? Il la donne en arrière pour Sissoko et c'est Sissoko qui doit faire ce centre mauvais pied. Tu dis, mais attends, prends-le le risque. Toi, de prendre les responsabilités. Mais prends tes responsabilités. Najim, je te laisse poursuivre sur ça, mais globalement, parce qu'on ne fait pas un débat non plus sur Eriksen, l'idée du débat. Moi, j'avais juste une question par rapport à ça, l'idée, parce que je me sens. L'idée globalement, elle est, on en a parlé en plus en première partie sur le débrief du match, mais globalement, l'idée sur Tottenham, elle est aussi au niveau du projet. Alors, on parlait de micro-tactique, on parle aussi de la suite, messieurs, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus que cette campagne? Paradoxalement, Najim, on est quand même sur peut-être pas le meilleur Tottenham du projet. Tottenham qui finit la saison avec Moussa Sissoko, meilleur joueur du club sur la saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus et de mieux pour ce groupe? Déjà, pour rapidement parler de cette saison, on est obligé de leur dire bravo par rapport au fait qu'ils soient quand même arrivés en finale parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Après, on peut forcément être frustré sur la finale parce qu'on attendait mieux de Tottenham, on attendait, comme tu l'as dit, un Pochettino qui aurait peut-être pu s'adapter et essayer de faire quelque chose. Surtout Liverpool, Najim. Ouais, surtout, ça, bien là, sûr, c'est bien là, sûr. C'est là, moi, c'est par exemple, je lui en veux, par exemple, d'avoir rentré Llorente fin. Je trouve que son entrée un peu plus tôt aurait pu modifier le jeu de Tottenham et offrir d'autres alternatives. Mais pour parler sinon de la suite et répondre à ta question,
Déjà sur le fait que Tottenham n'est pas recruté depuis un an et demi, moi j'avais trouvé que cet été c'était plutôt une bonne solution parce que ça pouvait permettre de créer et d'aller dans la continuité d'une dynamique. Mais là maintenant on arrive à un moment où Tottenham a besoin de recruter et notamment pour mettre sous pression certains cadres dont vous parlez qui n'ont pas été au niveau. Un joueur comme Dele Alli, un joueur comme Eriksen, ils ont besoin aujourd'hui de ressentir que ce ne sont plus forcément des titulaires indiscutables et qu'ils doivent se remettre en question pour essayer d'être le plus performant possible. Donc forcément, là tout à l'heure on disait on voit pas vraiment comment Liverpool peut recruter. Là, par contre, pour Tottenham, même s'ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions, on a la sensation que l'effectif il peut être énormément amélioré à énormément de postes, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité. C'est indéniable parce moi j'ai souvent comparé Tottenham cette saison au Liverpool de l'an dernier dans la gestion des émotions, etc. Déjà, ça c'est un fait, on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus, mais surtout en termes de qualité et de quantité d'effectifs. Mais ça reste quand même même plus pauvre, je trouve. C'est un problème en plus qui traîne depuis plusieurs années. Alors il y a la perspective du nouveau stade qui était en jeu. C'est plus pauvre, mais t'as un 11 qualitatif qui est plutôt bon. Ce soir, encore une fois, tu vois la même compo. Même à l'intérieur du 11. Même à l'intérieur du 11, le qualitatif est relatif. Mais il y a des joueurs. Mais à Liverpool l'année dernière, il y a aussi des joueurs où tu pouvais dire qu'il y avait une certaine lacune, comme Karius, comme etc. C'est ça que moi je prends ce parallèle là. Maintenant, peut-être moins. Mais encore une fois, je pense que ça se ressemble. Peut-être pas le même profil, mais ça se ressemble. Et ce qui est dérangeant, c'est que comme l'an dernier avec Liverpool, ce soir, Sissoko il se pète. Trippier il se pète. Tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer Dyer, qui lui aussi est en manque de temps de jeu et qui a eu une saison très très compliquée. Et c'est exactement la même chose que Liverpool l'année dernière. Ne pas avoir misé sur les joueurs importants de cette campagne? Je pense à Lucas, je pense à Llorente. Je pense que je l'avais dit en début de match, la compo elle est plutôt bonne. Maintenant il y a des joueurs qui ont failli. Il y a des joueurs qu'on fait à ce moment-là? De toute façon, le plafond de verre. Non mais le maintenant, Bilal, de toute façon tout dépendra de Pochettino. Je peux pas te répondre moi tant que je sais pas si Pochettino reste ou pas. Il y a aussi le projet Walid autour. Parlons d'Harry Kane par exemple. Harry Kane, avant-match, il était incertain. Alors sa prestation, évidemment, il faut la mettre en perspective avec son retour, son état physique qui n'était pas optimal en cette Ligue des Champions. Il passe à côté de son match. Harry Kane, il passe à côté de son match et au-delà de ça, il a la croisée des chemins. Ce joueur, il a fait énormément de saisons à Tottenham. Il a été performant. Il fait une finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'il peut ou doit attendre plus de son club ou est-ce qu'il doit partir maintenant? Moi, je reste persuadé quand même qu'Harry Kane reste l'un des meilleurs attaquants à son poste, même si il a vécu une saison un peu compliquée. On parle quand même d'Harry Kane qui pour moi est dans le top 3 ou top 5 à son poste, sans souci. Maintenant aujourd'hui, le problème, voilà, 100% physiquement. Mais quand on est dans le top 3, qu'est-ce qu'on doit attendre de plus de son club? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense en tout cas que sa cote a un petit peu baissé par rapport à l'été dernier où là vraiment sa cote était au sommet. Je pense que voilà, il aurait pu partir dans pratiquement n'importe quel club. Aujourd'hui, Najim Seagal, la Ligue des Nations avec l'Angleterre, il fait une Non mais bien évidemment, le problème, c'est où il va aller parce que encore une fois, c'est comme pour Mané et pour Salah. Si c'est pour quitter Tottenham et aller à Manchester United, c'est là où je veux en venir. L'année dernière, on parlait du Real Madrid, par exemple, pour Harry Kane. Aujourd'hui, est-ce que le Real Madrid va se positionner sur lui? Non, parce que c'est pas forcément la priorité. Si aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est pour partir dans un club équivalent, voire moins bon, ça ne sert à rien. Et donc, c'est là où je te dis que la cote, pour moi, elle a baissé dans le sens où aujourd'hui, il fait moins rêver les plus grands clubs européens qu'il aurait pu prétendre. J'ai une question inverse. Comment on accompagne un quasi top player qui souhaite rester dans un projet comme ça? Pour moi, en recrutant des joueurs et en montrant clairement l'ambition pour les saisons à venir. Aujourd'hui, Tottenham doit clairement montrer l'ambition qu'ils ont vraiment envie, pas forcément de s'installer dans le top 4, car ça c'est déjà fait, mais vraiment aller à la lutte pour le titre, comme l'ont fait Liverpool de l'été dernier à cette saison. Ils ont clairement montré leurs ambitions en allant tenter d'aller titiller Manchester City. Et Tottenham, c'est également ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi, et ça revient à ce que je disais au tout début, j'ai le sentiment que le gap est un peu trop grand aujourd'hui parce que le chantier m'a l'air d'être immense. Tout dépend, t'as une base de travail. Encore une fois, si Pochettino reste, parce que on l'a expliqué hier. Est-ce que Pochettino est dans ce style-là d'entraîneur? Alors c'est un très grand entraîneur, tout comme Klopp. On parlait tout à l'heure de Klopp qui a une ambition d'avoir des joueurs qui se ressemblent pour le projet de jeu. Est-ce que Pochettino, c'est dur à le juger sur le recrutement parce qu'il n'y en a quasi pas eu. Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans une logique d'adaptabilité? Et quand on est dans cette logique, est-ce qu'on peut se projeter sur un objectif recrutement à moyen terme comme l'a fait Klopp? Après, c'est à lui parce qu'on reste sur ça. Dépend de ça aussi. Il y a le projet coach. C'est dur d'y répondre, Bilal, parce qu'on reste sur deux mercato sans recrutement. Rien passé. Exactement. Donc c'est très très dur. Mais la dernière grosse recrue, c'est Davinson Sanchez en 2016 pour 45 millions d'euros. Maintenant, si demain
lui fait le même travail que Klopp en disant voilà, aujourd'hui on a fait finale de Ligue des Champions, on a quand même été plutôt chanceux et héroïque sur certaines situations, même si on a été, on a été le chercher, il nous manque ça, on a des latéraux faibles, on a au milieu de terrain un milieu de terrain dégarni et avec des joueurs qui se rapprochent de la trentaine notamment, on va recruter, voilà, moi je veux Wilfried Zaha en ailier, je veux Ndombele au milieu de terrain, je veux recruter un latéral de très très grande qualité, voilà, j'ai besoin de 250 millions d'euros, aujourd'hui Tottenham ils ont du flou, ils ont de l'oseille, qui mettent l'argent, s'ils veulent encore une fois redevenir compétitifs, refaire des épopées comme celle-ci en C1, plus essayer de grappiller un maximum de points sur City, sur Liverpool, et ben ça passe que comme ça. Maintenant, la même chose pour Pochettino, moi je pensais qu'il allait partir s'il y avait victoire ce soir. Je pense que maintenant, on va voir sa déclaration, on va voir sa conférence de presse, mais Elton l'a dit à juste titre hier, comme pour Kane, on parlait d'un mercato d'entraîneur avec des jeux de chaises musicales impensables. Le problème, c'est qu'on parlait de Pochettino à la Juventus, apparemment, Sarri s'est bouclé. Donc lui aussi, est-ce qu'il veut partir de Tottenham en étant sûr de retrouver un poste? Et puis on peut se demander qu'après avoir vécu tant de galères avant l'arrivée du nouveau stade, ce serait peut-être dommage de partir maintenant. C'est là où je voulais en venir. C'est peut-être c'est dommage, parce que là, le projet... Oui, mais s'il n'y a pas les moyens, Bilal... Ah, mais peut-être que maintenant que le stade est là, peut-être que les moyens vont plus se centrer sur le sportif. Là, on est dans l'expectative. Moi, je me dis en tout cas qu'après avoir galéré 3 mercato en jouant à Wembley sans connaître les nouveaux stades et sans s'inscrire dans un nouveau projet. Et encore une fois, c'est ce qu'a dit Pochettino, à savoir... Il a quand même fait une déclaration, Elton, après le match contre... Avant le match face à Everton, en disant, oui, fallait clore ce chapitre de 5 ans. Cette déclaration, moi, je ne vais pas interpréter en disant, je vais m'inscrire dans la... Non, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est une forme de pression, de la même manière que dans l'équipe, Hugo Lloris avait mis la pression en disant que c'était très bien ce qu'on avait fait, il disait ça avant les demi-finales, c'était très bien ce qu'on avait fait, mais l'an prochain, il faudra inévitablement... Et en plus, c'est vrai qu'il a le soutien de ses joueurs. Ouais, c'est ça. Il faudra inévitablement des joueurs pour passer un saut qualitatif. N'oubliez pas, il y a 2 ans, Danny Rose, et à un moment donné, il avait mis un grand coup de pression en dénonçant la politique sportive de Tottenham. Et à un moment donné, il avait même été écarté provisoirement d'équipe. Donc tout ça pour dire que les joueurs, ils en sont conscients. Il avait dit quoi? Je ne me rappelle plus. De... Ouais, c'était par rapport, vu qu'ils avaient terminé deuxième derrière Chelsea, ils ne comprenaient pas ce mercato, en gros, au rabais. Et d'ailleurs, était sur... C'était en début de saison, l'an dernier. Et ça faisait écho d'ailleurs au départ de Walker, où on se posait la question de savoir si Danny Rose allait rester. Et d'ailleurs, lui était sur les tablettes de Chelsea aussi à l'époque. Ça avait été très mal perçu. Il avait à un moment marginalisé de l'effectif. Donc tout ça pour dire que les joueurs aussi, ils en sont conscients. Donc à Daniel Levy de mettre les choses en adéquation pour que Tottenham puisse passer ce saut qualitatif, parce que c'est ce que je disais hier soir. Indépendamment de ce qui allait arriver ce soir, bon, maintenant on a le résultat, la vie de Tottenham va changer après cette finale. Et donc les clubs vendeurs envers Tottenham, ils vont avoir un niveau d'exigence financier tout autre. Non, mais si tu capitalises pas sur la finale, c'est quand même ça serait dommage que ça soit juste une fulgurance, parce que encore une fois, moi j'ai peur de ça. Le projet, il est quand même appréciable, parce que faut pas oublier, au niveau des infrastructures, ils se sont dotés de complexes vraiment magnifiques. Il va falloir l'inscrire dans un projet, c'est presque vital d'avoir un projet sportif ambitieux. Maintenant tu as de très beaux écrans et il faut de très beaux joueurs pour accompagner. Est-ce qu'il y a des risques de fulgurance pour Tottenham sur le mercato? Sur le mercato, vous voulez dire? Non, je veux dire que des risques que cette épopée ne soit qu'une fulgurance. Oui, c'est possible. Tout dépend de ce que vont faire les dirigeants sur cet été. Et je pense que c'est lié, par exemple, à la situation de Pochettino. Aujourd'hui, si Pochettino sent que les dirigeants ne sont pas prêts à le suivre concernant les ambitions du club, pour moi, il risque de se retirer et de partir. Tout va dépendre de ça. Et aujourd'hui, comme l'a dit Walid, forcément, quand on voit un petit peu la politique du club depuis quelques années, on peut penser en tout cas que c'est une année éphémère en quelque sorte pour Tottenham, et que j'ai le sentiment que ça va être compliqué pour Tottenham de refaire une même saison, d'aller une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions, etc. S'installer dans le top 4, je pense que ça, Tottenham est capable de le faire et de continuer à le faire, mais vraiment réussir à passer un cap et
réussir à être très souvent dans le carré final et à aller titiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester City ou Liverpool pour le titre. C'est quoi l'objectif de Tottenham? J'ai l'impression que ça risque. Je vais te poser une question, moi. Aujourd'hui, pour toi, parce qu'apparemment t'es pas d'accord, mais c'est quoi l'objectif de Tottenham à partir d'aujourd'hui? Bah justement, c'est quoi la ligne de conduite? C'est là où j'allais me faire l'avocat du diable, parce que Tottenham s'est installé dans le top 4 et est arrivé en finale de Ligue des Champions. Mais si on parle de passer un saut qualitatif, ça veut dire qu'on tape dans le sommet. Non, jouer la course au titre. Cette année, mais la course au titre. Ouais, mais tu matérialises comment? Bah avec des renforts. Et encore une fois, même moi si j'étais Marc Lévy. C'est Marc Lévy qui s'appelle. Non, Daniel, c'est l'écrivain, lui. Il écrit 2-3 bouquins, ses heures perdues. Si j'étais Daniel Lévy, je vois Liverpool ce soir. Je vois la trajectoire et tout ce qu'on a dit. Si je regarde le club des 5, notamment, ce sera traduit, hein, bien entendu. Pour, il fallait que le club des 5, il faut le faire en live. Exactement. Vas-y, parle. Ce modèle-là. Je fais exactement la même chose. Aller récupérer un Ricardo Pérez. Non mais. Les modèles sont différents. Mais d'accord, mais. Je vois où tu veux en venir. Tu peux t'en inspirer, mais. Aujourd'hui, récupérer. Le jeu des comparaisons, c'est jamais. Mais bien entendu, jamais ce sera à l'identique. Mais aujourd'hui, aller récupérer un Ricardo Pereira, par exemple, à Leicester, un Ndidi ou un Ndombe. Renforcer. Je préfère être Khaled. Non, pourquoi? Didi. Ah oui, d'accord. Non, mais là, tu mets du temps. Tu sais que ça atteint un niveau. Tu dois monter ton niveau d'exigence, Walid. Non, mais je te dis comme un ami. Heureusement que t'es là, bien. Non, mais parce qu'il sait que je suis sur un bon argumentaire et il veut me. Pour faire des blagues sur un novice, il y a du monde. Mais quand on fait référence à des cultures. Moi, je suis en CP. Mais t'es un Didi, vas-y. Et donc, je dis, ce genre de joueur-là. T'es pas là dans les années 80. Comme Liverpool. Moi, j'ai commencé à Ryan Fever, moi, les gars. Mais donc voilà, essayez de s'en inspirer, ne pas faire tout et n'importe quoi comme post-Bale à un moment donné, on l'a expliqué hier, mais voilà, quelques lacunes, on essaye de remplir les cases, on essaye de garder Pochettino avec la même colonne vertébrale, on a une bonne défense centrale, on a un bon gardien de but, on a un Son qui est en feu, on a un Kane qui est l'un des meilleurs et qui sera peut-être le meilleur numéro 9 dans les années à venir. Et moi je pense qu'ils doivent et pour essayer de petit à petit aller chercher ce, parce que si c'est pour faire 10 ans en Ligue des Champions comme Arsenal l'a fait, je sais pas si c'est ça l'objectif. Ça, je suis d'accord. Et surtout, je suis pas sûr que cette année que l'année prochaine tu retrouves la demi-finale comme Liverpool l'a fait. Ça, à un moment donné, les gros clubs, ils vont se réveiller. Exactement. On va leur dire, ouais, les gars, la concurrence va s'améliorer. Donc, si on veut rester à flot, le PSG, tous les ans, ils vont pas sortir en 8e. Le Barça, à un moment donné, j'espère, ils vont se relever. Le Real, il y a un gros recrutement, etc. Les gars, je vous propose de donner quelques mots à Mauricio Pochettino. Ah, je voudrais dire à Lévy. Ah non, Mauricio Pochettino, on n'a pas encore le bras assez long. Tu demandais si Daniel Lévy regardait le club des 5, on ne sait pas encore. Pochettino, lui, regarde le club des 5, là, il est sur son smartphone, et il nous dit qu'il est très fier de ce qu'a fait son équipe, car qu'elles ont vraiment bien joué en seconde période, ont mérité de marquer, on a pris un second but, c'est le risque d'attaquer, bref, on ne doit pas être trop triste, c'est toujours triste de perdre, cette saison a été fantastique, c'est notre première finale et c'est très positif. Pour l'instant, il est dans la description du match, donc tout ce qu'il y a de plus classique, on a pas vraiment d'informations sur la tenue, mais en tout cas il y a pas vraiment de message d'adieu, c'est ce qu'il faut retenir. Des déclarations de Mauricio Pochettino, on n'est pas sur une volonté de clore le chapitre pour le moment. Il a encore 50 contrats. Il a encore 50 contrats. C'est quoi, jusqu'en 2031. J'ai jamais vu ça. 50 contrats comme ça. Il a prolongé cette année. Ouais, c'est. Non, mais c'est pour ça que ça s'inscrit aussi dans le. Il avait prolongé sur un contrat de 6 ans. Je me dis qu'on devrait voir son visage encore assez longtemps. On te fait confiance. Non, mais t'as des petits papiers. Le mec va à Wembley, il va dans la fédération, etc. Il parle anglais, etc. Il était à Londres il y a 2 semaines. Il parle anglais. Moi, je dis ça, je dis rien après. Après, vous faites ce que vous voulez. Lâchez des petites vestes british, etc. Ah, il est sur mes côtes. Il y a des soirs comme ça. Ça, j'ai voulu lâcher cette veste-là. Moi, ils m'ont dit non. Ah, mais continue, vas-y. Donne du crédit, donne du buzz. Il a maigri de 5 kilos. Regarde-moi comment il est svelte. Il est fit. Il a pris une taille en dessous. Tu sais, les éloges, c'est quoi le ton de la citation sur les éloges? C'est la pire des choses, non? C'est ça? Faut toujours se méfier des éloges. Ouais, j'ai peut-être. Je sais pas, t'avais une citation sur ça, il me lâche. Tu me prends au dépourvu. T'as toujours parlé d'éloges quand tu parles de Bielsa. Tu pensais qu'elle allait te sauver?
Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Là, tu sais que l'expression, il l'a bien dans sa tête. C'est juste qu'il veut pas te sauver. Non, mais je le connais. Il veut juste t'enfoncer. La dernière fois, je me suis battu à Porte Saint-Cloud. Il m'a fait salut, Walid, ça va? Oui, on se voit après. Je suis pas bien, viens m'aider, je sais pas. T'as un couteau, t'as quelque chose, non? Non, je suis un homme de paix, moi je lis des livres. Il est comme ça, Elton Mokolo. Tu parlais de visage, on parlait du visage de Pochettino qu'on risque de revoir la saison prochaine. Il y en a un dont on aime revoir le visage parce qu'on l'a pas avec nous, il est à quelques centaines de kilomètres. Évidemment, monsieur Babacar Sall. On va, les sociaux, avant de conclure, alors on fera les remerciements après, mais pour finir sur une touche festive, on rappelle le contexte, hein, Babacar Sall qui est chroniqueur au Club des Cinq, qui est quelqu'un qu'on adore, comme tous les chroniqueurs, mais qui a une passion particulière pour Liverpool, qui nous a fait vibrer sur la demi-finale qu'on a suivi chez lui comme un fou. Babacar, si t'as plus d'oseille pour manger la semaine prochaine, viens à la maison, il y a aucun souci. Il a probablement vendu un rein pour accéder à cette finale, mais il a réussi à accéder à la finale. Il y allait sans ticket à Madrid, hein. Il allait comme ça à la même, il s'est dit je vais le faire, je vais entrer dans le stade. Il a raté le premier but. Hein. Il est entré dans le stade, il a raté le premier but. Je vous propose de découvrir la joie de Babacar Sall, à qui on rend hommage en cette fin d'émission. Quel homme. On quitte sur ça? Il l'a fait, Babacar, il l'a fait, gros bisous. Il l'a fait, Babacar, qui va pas beaucoup dormir ce soir, je le sais, il va être tout excité de fêter la victoire des Reds. Au passage, si on peut adresser un petit message à la Guardia Civile, l'embarquez pas. Ouais, c'est tout ce qu'on demande. Il a déjà un gros crédit sur le dos. Foutez-lui la paix au moins pour une soirée. Merci les gars pour la qualité de vos interventions. Merci d'avoir participé à cette grande finale ensemble. Ça a été un très bon moment. Merci aux socios pour la qualité de vos interventions, pour votre présence. Je vous rappelle évidemment les likes, les abonnements sur les réseaux sociaux. Vous les voyez à gauche de votre écran, Facebook, Twitter, Instagram. Continuez de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis de mettre des likes à l'émission. Ça permet d'être mieux référencé et ça permet au projet de progresser. Petit rappel également très rapide sur la question de la soirée autour des Spurs de Tottenham. Était-il capable de faire mieux? Répondez à cette question sur le replay de l'émission et nous, on viendra commenter ça avec vous et réagir à vos commentaires. Ça nous permet de poursuivre la discussion dans la soirée. Merci évidemment aux équipes qui ont participé à cette finale, aux équipes dans leur globalité, sur toute la campagne de Ligue des Champions, mais encore plus ce soir sur la finale. C'était pas simple de le faire en quasi-live. Je remercie Gauthier Kergoustin, Farès Hachem à la rédaction en chef, Ayman Archan, Marius Cassoli, Coralie Sal et Victor Théron. Merci pour la qualité de votre travail. Najim, un dernier mot. J'ai une petite pensée pour les supporters d'Arsenal mercredi soir, donc forcément j'ai une petite pensée pour cette Tottenham ce soir. Et il y a un sourire en non, il n'y a pas du tout d'insolence, c'est une pensée. Pour les soutenir, rendez l'antenne. Merci Najim. C'est pas de la condescendance, c'est du soutien. Excuse-moi, tu veux me laisser finir mon émission ou tu veux te la mettre en gilet jaune? À chaque fois. Depuis qu'il est... C'est le mauvais dégonflé. Ça parlait d'une bonne intention et à chaque fois le mauvais esprit. C'est dommage. Pensez pour les supporters de Tottenham, ça doit pas être facile de perdre une finale de Ligue des Champions. Et donc j'ai le soutien dans. Voilà, comme moi j'ai vécu Menteur. Ça. Menteur. Voilà. C'est sincère pourtant, c'est génial. Merci à tous. À demain pour France-Bolivie. On vous attend très nombreux. Et puis il y aura la CAN, il y aura la Copa, il y aura plein d'émotions, il y aura plein d'hommages de Najim, plein de blagues de Walid, plein de citations d'Elton. À très vite, portez-vous bien. Ciao.